Hi everybody! Même chose avec Minouchette. Voilà, c'est bon. Que hola serie! Alors, on se retrouve aujourd'hui avec mon assistante et mon assistant qui va partir. Hoy nos encontramos con la asistente y el otro asistente. Ah, bueno, tu vas traducir. Alors voilà, il va rester, il va faire la traduction en espagnol. Comme ça, en fait, on pourra regarder dans le. On donne à maman. On se retrouve, j'ai mon micro aujourd'hui. Bueno, esta noche estamos aquí en la mansión. De Sandy Ramitz et de Victoria Pig. Victoria Pig. Hein? Comme elle est fan de Peppa Pig. Alors nous sommes là aujourd'hui parce qu'on va faire la recette de gaufres végétaliennes, la recette de Alice Esmeralda que nous n'avons jamais testée, donc on va essayer. Alors la traduction, il n'est pas au point mon traducteur. Non, vamos a hacer la receta de gaufres. Comment ça s'appelle? Gaufres, non? Ok, la gaufres. Alors, c'est des gaufres aux pépites de chocolat qui sont végétaliennes. Ok, c'est pour les personnes qui sont véganes. Pour toutes les personnes qui sont véganes. Mais pour les autres aussi, hein. c'est bon pour tout le monde. Et pour les autres personnes aussi. Voilà. Está bueno para todo el mundo. Voilà, donc Victoria a mis son petit élastique de Noël avec le petit bonhomme de nez. Et son petit pull avec les étoiles. Et moi, je veux des paillettes dans ma vie. Alors. Pour cette recette, nous avons besoin de 200 g de farine. Victoria, tu le mets dans le bol? Tu le verses dans le saladier? Tu mets dedans. Fais attention. Et bien ça, avec... Oui. Waouh, oui. Super. Attends, il y en a encore. Ah non, il y en a plus. On va taper un peu. Tape sur le kiki. Sur le kiki, sur le kiki. Sur le kiki. Voilà. Donc ça, 200 g de farine. Alors oui, nous sommes dans le salon parce que déjà la cuisine, elle est moche. Tout simplement. Et on n'a pas la place pour filmer. Alors, pour l'instant, il n'y a rien dedans. On va rajouter d'autres choses. Donc, dans un saladier, verser les ingrédients secs. J'ai le livre devant moi, qui est ici. Hein. C'est le livre d'Alice Esmeralda. Nous sommes à la page 96, pour ceux qui l'ont, qui veulent le faire. Bref. Donc, il faut une cuillerée à café de levure chimique. On va la placer. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a... Hein? ¿Cómo se ve la muchacha? Alice Esmeralda. Ah, estamos en el libro de Alice Esmeralda en la página 96. On dirait qu'on est à l'école. Alors, une cuillerée à café de levure. Une cuillère. Tu la mets dedans? Ici. Attention, pas à côté. Ici. Là. Allez, bravo. Bravo. Bravo, Minouchette. On mélange, tiens, tu remues, tu fais doucement, faut pas en mettre à côté. Hein. Mélange. Mélange avec papa. Faut pas en mettre à côté. Comme ça. Et ensuite, alors il faut de l'extrait de vanille, sauf que moi comme j'en ai pas, je vais mettre un sachet de sucre vanillé. Je vais regarder, j'en ai plus. Tiens, tu verses ça Minouchette? Ça c'est le sucre vanillé. Tu le verses dedans? Ici, dedans. Chut, comme ça. Waouh! Tout entier. Tout entier, todo entero. Allez. Allez. Bravo. Bon, je traduis pas ce qu'il dit puisque lui il traduit ce que je dis. Je traduis que s'il dit des gros mots. Il faut mettre du sel. Alors j'ai pas de sel libre. Allez, là. J'ai du sel qu'on moue avec le moulin. Donc on va moudre un peu de sel. Une pincée. Alors l'équivalent d'une pincée. Hein. Un poquito de sel de l'Himalaya. C'est le sel de l'Himalaya. On est allé le chercher nous-mêmes. Voilà, il faut du sucre. Alors c'est 3 cuillerées à soupe de sucre. Qu'est-ce que c'est ça, Minou? C'est le sucre. En espagnol, se dice como... Azúcar. Azúcar. Tiens, regarde. Comment, qu'est-ce que c'est? Celia Cruz. Ah, Celia Cruz. Pour ceux qui ne savent pas qui est Celia Cruz, c'est une chanteuse cubaine et dans ses chansons, elle dit toujours Azúcar. 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 Tiens, tu le fais? Tu le verses? Doucement, Minou. Ouh là là. Et encore une. Faut y aller un peu plus doucement, sinon ça vole. Hein. Fais doucement mon cœur, s'il te plaît. Tiens. Voilà, avec la main. Doucement, voilà. Bravo, Minou. Bravo, Minouchette. Bon, elle est au point, hein. On va pouvoir la mettre en cuisine. Allez, mélange. Tu mélanges? J'ai tout mis ce qui était sec. Ah oui, il faut des pépites de chocolat, mais je pense que ça, on les rajoute à la fin. Oui, c'est ça. Bon, vous pouvez les faire avec ou sans pépites de chocolat, hein, mais moi, j'aime bien le chocolat. Et Minouchette aussi. Si, le chocolat, c'est bon. Minou, regarde, il y en a partout, là. Allez, on
Ensuite, on va mettre tout ce qui est liquide. Donc, on va faire le gâteau. On va faire le gâteau. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est de... C'est de l'huile. De l'huile. De l'huile. De Venatia. Oui, je vais faire de Venatia. Alors, la prochaine fois, on fera en direct, mais c'est un peu plus risqué. Tiens, regarde, tu le verses. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Pourquoi? Alors, c'est de l'huile, j'ai choisi de l'huile de colza parce que tout simplement, c'est bravo, ça. Elle dit qu'il y a une question de sol ou de colza. Et j'avais de l'huile de colza puisque j'avais acheté quand Victoria était petite, quand elle a commencé la diversification. Bon. On est obligé de mettre de l'huile de colza dans ses repas. Hop. Alors, d'huile et de soja. Alors, 25 cl de lait de soja non sucré. C'est le lait de soja. Le lait de soja, bravo Minouchette. Il faudra juste ça. Donc, viens, ah, du jus de citron. Alors attends, on va mettre d'abord le jus de citron. C'est une cuillère à soupe de jus de citron. On va le mettre aussi. Alors, vous avez un chat qui va passer. Parce que vous savez qu'on a un bébé chat. Voyou. Il est un peu indiscipliné. Viens. Voyou. Allez. On veut pas de chat dans la cuisine. Hop. Alors on va mélanger, tiens regarde, tu verses, alors par contre, non là c'est maman qui va verser, il faut y aller tout doucement. Tu mélanges? Allez mélange, prends le fouet. Attends, la cuillère on la pose, c'est plein d'huile. Tiens. Tiens, allez remue, mélange avec papa. Tu vas faire le gâteau. On fait le gâteau. On rajoute le lait. Doucement, doucement, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Attends, ça y est, c'est bon, il n'y a plus rien. Allez, mélange, mélange, mélange. Allez Minou, mélange. Allez Minou. Allez Minou. Le chef va reprendre le relais. Il faut le faire. Dormez un peu vite. Il faut le faire un peu plus fermement pour que les grumeaux s'en aillent parce que là. Non, vous mettez devant la main là. Ah. Je sais que je vais passer dans la mer. Ça c'est pour bon. Ah oui. Attends, parce que je vais mélanger. Après tu reprends un peu. C'est ce que tu veux de l'or. Tu vas le merengue, l'ai fait avec la main un peu. Ah oui. Non, oui, oui. Parce qu'en fait, je lui ai dit qu'il n'avait pas la force de le faire, il s'est vexé. Il m'a dit non, mais moi je faisais des meringues à la main à Cuba. Pardon, monsieur, pardon. Non, seigneur de l'époque, c'est le pied, c'est la trompe. Non, caquette. Attention, il a touché la cuillère avec de l'huile. Allez, tu mélanges? Tiens, Minouchette, à toi. Allez, on mélange, on mélange, on mélange. Viens dedans. Dedans, maman. Elle a vu que moi je remets les fesses. Elle est dedans. Oui. Et on va rajouter les pépites de Rico. Alors elle a dit 3 cuillerées à soupe. Moi je sais pas si je peux en mettre plus. Alors elles sont un peu grises les miennes parce qu'elles étaient au frigo. Ça change un peu de couleur quand on les met au frigo. Mais elles sont bonnes. Hein. Hop, 1, 2. Alors tout ce qui tombe en plus on le garde, hein. C'est bonus. Voyou, non, c'est pas pour toi. Voyou. Allez. Tac. Comment tu fais? Allez, reviens. Hop. Attends, doucement. Voilà, donc notre pâte est prête. Maintenant, ben, je sais pas s'il faut la laisser reposer. Non, ils disent rien, mais donc on va laisser, nous on va manger parce que là c'est l'heure du repas du soir. Et pour le dessert on fera cuire les gaufres, mais pour vous ce sera tout de suite. Alors on se retrouve pour la deuxième étape, celle de la cuisson. Alors j'ai mis un petit peu d'huile sur mon gaufrier pour pas que ça accroche, j'ai toujours peur que ça accroche. Et maintenant on va prendre une louche. Alors ça j'aime bien parce qu'il n'y a pas de bec verseur sur la louche. Au moins c'est pas orienté gaucher ou droitier. Moi qui suis gauchère souvent je suis embêtée. Alors hop, attends, parce que là j'ai une petite fille d'un côté, un petit voyou de l'autre. Et il ne faut pas en mettre trop, sinon ça déborde, donc j'ai un peu peur. Je ne vais pas trop le remplir, parce que ça va s'étaler. Hein. Voilà, et là, quand on va fermer, normalement, ça devrait s'étaler. On va tester. Hop, on le ferme. Et puis on va attendre que ça cuise. En attendant, nous allons interviewer Minouchette, qui voulait absolument sa sucette rouge. Qu'est-ce que tu nous racontes, Minouchette? Allez, vas-y, c'est. Oui, c'est la sucette. C'est la sucette. C'est la sucette. De quelle couleur elle est, la sucette? Elle est rouge, la sucette. Et tu voulais la sucette avec les étoiles, alors ça, on peut l'enlever, t'en as pas besoin. Et que
Tu vas l'accrocher. Bon, on va l'accrocher. C'est pas sorti au reste, Minouchette, voyons. C'est une faute de goût. C'est une faute de goût, comment on dit ? Une faute de goût. Bon, mais pendant ce temps, on attend que ça chauffe. Pour ceux qui veulent savoir, c'est un grille-pain. Un gaufrier que j'ai acheté chez Boulanger il y a 3 ans et qui normalement marche très bien. On va voir. Ça fait de la fumée. Je sais pas si ça fait longtemps qu'elle a pas servi, donc peut-être ça c'est un peu de la poussière cramée. Je l'ai rincé avant. Hein. Ça fait de la fumée, oui, regarde, ça fait de la fumée. Je sais pas si c'est bon signe. Attends, on va ouvrir pour voir, mais ça c'est parce que j'ai pas de patience. Ah waouh! Regarde. Je sais pas si on le laisse un peu plus. Je pense qu'on va le laisser un peu plus pour que ça grille. Un tout petit peu. Attends, petit. Tu veux pas la cuillère? Tu veux pas la cuillère? Attends, mais c'est ça que tu veux pas? La louche? La louche? La louche? Oh, mais attends, parce que j'ai pas d'autre endroit pour la mettre. Elle veut m'enlever la louche! Ah voilà, c'est ce que je voulais pas. Victoria, ne me pousse pas comme ça. Je ne veux pas la louche. Eh oui, mais je la mets où la louche? Bon, je crois que là on peut la sortir. Alors, est-ce que ça accroche ou pas? Ah non, ça va. Hop. Alors j'ai un peu peur. J'essaie de pas rayer le moule. Et voilà. Donc ça, je pense qu'avec un petit peu de sirop d'érable que je n'ai pas, ça doit être super bon. Mais bon, bah nous, on va le manger comme ça. Voilà. Donc on va goûter maintenant. Passons à la dégustation. Voilà, on va passer à la dégustation. Victoria, elle est avec ses petites bulles de Mickey. Là. Mais bon, c'est pas grave. On a notre petite assiette qui est là. J'ai trouvé du sirop d'agave. On va l'ajouter par-dessus. C'est Mickey Mini. C'est Mickey Mini. Verdict dans 3 secondes. Mais non, t'as gâteau. Minou, tu goûtes en premier? Va goûter le gâteau? Va goûter la gaufre. Il est rigolo. Allez, ok. Je n'aime pas la gaufre. Alors, papa, il va goûter. Papa, oui. Mais quoi? C'est bon? Je savais. Parce que non, tiene masa. Bon, non, c'est igual que. Ah non, c'est pas la même. Claro. Non, parce qu'en fait, lui, il mange les gaufres de Liège avec le sucre dedans et c'est pas du tout la même texture. Ihou. Mais pourquoi tu. Bon, on vient de le faire. C'est le gâteau du chocolat. C'est bon, mais que. Goûte. Chocolat. Allez, écoute. Regarde, maman le mange. En fait, elle aime pas manger le pompé. C'est bon, hein. Tu devrais goûter, Victoria. C'est papa qui est bon qui goûte. Ah oui, parce que là, elle veut faire le goût. Victoria. Bon, et ben voilà. Sur cette belle parole, bon, Victoria, ne goûte pas. T'es sûre que tu veux pas goûter? Je veux pas goûter. En fait, tu veux pas le gâteau? Tu veux pas le gâteau? Alors, je veux descendre. Bon, ben, sur ce, on va dire au revoir. Ce que vous entendez, c'est la machine qui est en train de faire la soupe toute seule dans la cuisine. Et bien, elle se met en route juste maintenant. Donc, ben, on va dire. Bon, ben, sur ce, on va vous dire au revoir parce que Victoria n'est pas disposée. Ah, profite. Elle se voit en fait. Bon, Minou, on dit au revoir. Donc, cette recette, vous pouvez la faire. Ben, la soupe continue, mais c'est pas grave. Cette recette, vous pouvez la faire. Elle est très bonne. Et voilà, mais si elle n'en mange pas, c'est pas grave, nous on va s'en charger. Donc on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. À bientôt. À la prochaine. Et comme dirait Valérie, au revoir. Il est coincé.